Ça, c'est la nouvelle DS9. Pour moi, c'est ce qu'on fait de mieux en France en matière d'automobile. Sur ce modèle, on va retrouver une signature LED que je trouve très sympa. À part ça, on a une superbe calandre avec le gros logo DS. Et juste là, on a le petit E pour E-Tense parce que c'est une hybride. Là, comme vous pouvez voir la calandre de plus près, c'est vraiment très impressionnant. Sur ce modèle, on va retrouver une superbe paire de jantes que je trouve très originale, équipée de gros pneus Michelin Pilot Sport 4. Mais le plus impressionnant dans ce véhicule, ça se passe à l'intérieur. On va directement ouvrir la portière. Déjà, ça, c'est ultra stylé. Et là, la première chose que j'ai vue, j'ai même pas besoin de regarder le reste du véhicule, vous voyez, il y a du cuir absolument partout, c'est super bien fini. Sur le tableau de bord, c'est pareil, on a le même cuir que je trouve très très beau, on l'a aussi sur le volant, et là, comme vous pouvez voir l'intérieur, il est juste magnifique. En termes de finition, chez DS, ils ont vraiment mis le paquet. Regardez, là, on a le pare-soleil et le plafonnier qui est tout en Alcantara. Et en plus de ça, on a ce superbe toit ouvrant panoramique, ça fait vraiment la différence. Et un autre détail que j'apprécie beaucoup sur ce véhicule, regardez là, on a la petite horloge qui vient de chez BRM, qui est une marque française de montres de luxe.